tout s'encadrer, parce que tel est notre métier. Voici d'abord Madame Saphir, ou pardon Julia Ségovie, l'épouse selon son désir, Valentin l'homme de sa vie. Valentin, c'est le soldat bru, mais c'est un soldat sans histoire. Armé d'un balai, on l'a vu coloniser Madagascar. Valentin a une belle sœur, la jeune sœur à sa Julie. C'est une fille qui a du cœur, enfin un cœur bien attendri. C'est qu'elle est mariée, cette petite, avec un monsieur Brelugard. C'est le seul de toute cette équipe dont la tête ne nous revient pas. N'oublions pas Miss Pantruche, qui chanta dans les temps jadis, et j'en sens tête de perruche. Pour Valentin, un vrai ami. Et puis le sergent Bourrelier et Marinette qu'on ne voit pas, Nanette, Didine et Poussier, bordel, mais ils sont tout un tas. Et bien sachez que tous ces gens aiment le dimanche comme le lundi. Et voici l'histoire qui commence, celle du dimanche de la vie. C'est lui. Alors, il y en a des milliers comme ça. Il n'y en a pas non plus des milliers comme le tien. C'est pas un raisonnement. Alors tu vois, qu'est-ce que je vois? Ce sera lui et pas un autre. Tu le trouves pas un peu jeunet pour toi? C'est pas un premier communiant. Moi j'appellerais ça un gamin si j'avais ton âge. Mon âge en vaut un autre. Et puis c'est pas un gamin, c'est un homme. Un bel homme même. N'exagérons rien. Bonjour mademoiselle Julia. J'ai cherché le chapeau, je vous ai retenu. Vous savez, grand chapeau de paille blanc. Avec des fleurs et des cerises. Ah, mais où est-ce qu'elle l'a donc fourrée? Oh, demoiselle de magasin, elle pense à leurs amoureux et elles ne savent mettre que du désordre. C'est vrai, il leur manque plus que de se syndiquer. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'elle sera rentrée, je vous l'envoie avec le galurin. Le galurin. Ça lui fera les pieds à cette fille. Allez, au revoir, madame Foucault. Au revoir, monsieur Gélia. On va pouvoir causer tranquillement. Faut que je m'en aille. Tu peux attendre ton popole. Il est peut-être marié. Il n'a pas d'alliance. Sans vouloir te vexer, tu peux ne pas lui plaire. Je saurais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout. Tout. Son nom, son âge. S'il est marié. Tu voudrais que je l'espionne? C'est ça. Tiens, ton mari, par exemple, il connaît sûrement un ou deux officiers de la garnison. Le capitaine Bordeil et de ses amis. Va le questionner. C'est risqué. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Bon, ce ne sera pas le premier. Et puis pour ta sœur. Hein? Attention! Je te dis, tu devrais engager dans le génie ou dans les chars. Tu reviendrais avec un bon métier. C'est écrit sur les affiches. Mais ça me plaît pas. Ben, qu'est-ce que tu feras dans le civil? Ah, voilà. T'as pas de métier? Ah non. Alors? Ben alors, j'ai pensé à balayeur.
C'est un métier sans avenir avec les progrès du machinisme. Tu pourras jamais nourrir une femme et des enfants. Je t'ai jamais dit que je voulais nourrir une femme et des enfants. Eh ben alors, engage donc. Tu verras. C'est la belle vie. Hey. Mais pourquoi voulez-vous que je retrouve ce militaire? Il vous intéresse? Moi? Non, pas du tout. C'est ma sœur qui... Alors retrouvons-le. Retrouvons-le. Voyons voir. Comment s'appelle-t-il? Nous ne savons pas. Voilà qui ne simplifie pas le problème. Peut-être voulez-vous connaître son grade. Très important, le grade. Il est simple soldat. Bon. Simple soldat. Simple soldat, c'est que ça se fait beaucoup. Oh, voyons, capitaine. Faites un effort. Et son physique? Comment est-il, son physique? C'est que c'est très important, le physique. Grand. Brun. Voilà un renseignement qui ne nous aide pas beaucoup. Il faudra faire de longues recherches. Très longues. Voyez, vous ne savez vraiment rien d'autre sur lui. Il passe tous les jours à Avenue Gambetta et il tourne après le serrurier pour prendre la rue Jules Ferré. Mais c'est très simple. Il travaille au bureau des Isolés Coloniaux. Allons-y. Allons-y. Ah, mais c'est que... Allons-y. Il ne peut s'agir que du soldat Bru, mon capitaine, Bru Valentin. Et où est-il en ce moment, votre gaillard? Il balaye, mon capitaine. Il balaye quoi? La cour du quartier, mon capitaine. Mais ça n'est pas orthodoxe, il est affecté ici, il devrait balayer ici. Il a déjà deux fois balayé ici. Il est toujours volontaire pour balayer. Mais c'est charmant tout ça. Parlez-moi encore un peu de lui, sergent. Merci, sergent, mais vous savez, mon foie... Il va en avoir besoin. Allez, grouille! Oh, mon Dieu! Oh! Oh, mon Dieu! Allez, petite circule! Vous n'êtes pas poli aujourd'hui. À tes amours! Ah, sergent, vous êtes bien bon. T'es un bidard. Au moment que tu vas être sur le sable, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. Ah oui? Ça fait un Chopin. Il y a une dame qui en pince pour toi, une chouette, hein? La haute société, le Lusk. Alors là, sergent, vous charriez d'une façon cruelle. Hein. Pas du tout, je vais t'expliquer. 25 ans. Brave garçon. 5,80. Pas ivrogne, mais mal au foie. Orphelin. 10,90. Né où? Au Vésinet. Engagé. 5 ans. Et 10 qui nous font 100. Madagascar. Je vous remercie. Et il est démobilisé quand? Dans un mois. Mais non, pas dans un an, dans un mois. Et il rempile pas. Alors tu vois, il t'échappera pas. Il paraît qu'il adore balayer. Au magasin, ça te serait utile. Alors, monsieur Valentin, vous avez gagné à la loterie nationale? Pourquoi tu me dis ça? Le sergent, il dit que vous êtes un bidard. Et ça t'intéresse? Je suis curieuse comme tout. Eh bien, je vais me marier. Comme c'est triste. C'est pas triste, c'est la vie.
Qui allez-vous épouser comme ça? Est-ce que je sais? Vous avez tout de même bien une petite idée de qui c'est? Oui, c'est une mercière de la rue Gambetta. Oh là là! Je vois. C'est mademoiselle Ségovie. Ah, moi, je la connais pas, mais le sergent dit que... Le sergent, il y connaît rien du tout. Tu sais, Didine, il faut te faire une raison. Hmm? De toute façon, j'étais libéré avant la fin du mois. Alors, je vous verrai plus? Je reviendrai. Je reviendrai. On dit ça. Ça coûte rien. Une belle soirée au poil. Les instruments de mesure? Non, non, c'est qu'ils sont toujours faux. Je viens t'annoncer que je suis nommé à Paris. Belle carrière. Ah oui, il faut bien le dire, belle carrière. Mais c'est pas ce qui me préoccupe. Non, c'est toi. Comment on va monter à Paris? Chantal et moi, tu vas rester seul, sans aide, sans appui. Tu te fous de moi? Tu me prends pour une bécasse, une dinde, une oie? Mais je te prends pour une femme avec toutes ses faiblesses. Ça te porte aussi boulot, ta nomination? Pas d'histoire, je sais tout. J'ai pas demandé la discrétion à Chantal. Non, mais enfin, c'est sérieux. Tu veux épouser cet incapable qui a tiré 5 ans comme militaire pour devenir simple soldat? Tout le monde n'est pas un maniaque de l'ambition, comme toi. Mais il va te bouffer ta galette! Si je veux. Non, un voyou qui a 15 ans de moins que toi. Tu ne croyais pas que j'épouserais un ramolli? Songe à Marinette. Songe aussi. Elle devait hériter de ton commerce, tu lui avais promis? Ouais, mais j'ai changé d'avis. C'est commode. C'est comme ça. Oh, un colonial pourri d'opium et de pastis. Pas vrai, il boit pas. Il se cache. Comme toi. Hein. Oh, il n'y a plus de conversation possible. Moi, je... Il n'y a pas. C'est lui. Monsieur Bru. C'est moi. Bru Valentin. Numéro matricule? Je vous cherchais. Ah, vous êtes fin. Vous m'avez trouvé. Cher monsieur Bru, je serais très heureux d'avoir une conversation avec vous. Mais c'est que... Quelques instants seulement. Pas plus, hein? Non, non, quelques instants. Vous trouvez pas qu'il fait soif? Un petit verre? Si ça vous chante. Vous prendrez quelque chose? Un Vichy fraise. Et pour monsieur un cognac, comme d'habitude? Ça vaut pas le Pernod, hein? À moi, vous savez, faudrait me payer cher pour en boire. C'est comme le cognac avant le déjeuner. Et Madagascar? Il paraît que vous avez été à Madagascar. Pareil. Oh,
ça doit être beau, Madagascar. Pas mal. Montagneux. Et les indigènes? Ça, pour y en avoir, il y en a. Oh, les voyages. C'est beau, les voyages. J'en avais de la chance d'avoir bourlingué. Ça m'intéresse pas beaucoup, ce que vous me racontez là. J'ai pas soif. Mademoiselle, un cognac. Bien que je me donne du courage. Alors? N'épousez pas, militaire. N'épousez pas ma belle-sœur. C'est un conseil désintéressé que je vous donne. C'est un beau-frère qui vous parle. Cette injuration est perdue. N'épousez pas ma belle-sœur. N'épousez pas, militaire. Ah, juste là, je suis à l'envers. C'est formidable. Je suis un spécialiste, vous verrez mes films de Madagascar. Chouette, hein? Ah, tu vas aller marcher sur le voile. C'est du boulot, hein? J'ai arrêté le truc après. Oui, Marinette, où est-elle, Marinette? Qui ça? Et maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir, à savoir Madagascar. Ouais, je balayais comme un chef, Madagascar. C'est lui. Ça, c'était la suite. Le capitaine Bordeil. Il était plus temps, ce moment-là. Et le voyage de noces. Où irez-vous en voyage de noces? Je ne sais pas. Pourquoi n'iriez-vous pas à Madagascar? Ça leur reviendrait cher. Non, mais ce qui me plairait, c'est de voir Iéna. Iéna? Iéna en Allemagne? Ouais. Quelle drôle d'idée. Pourquoi? Pourquoi pas? De quoi qu'on cause? De votre voyage de noces. Le voyage de noces? On ira à Bruges. De voyager. Oui. T'as l'air triste. Bah oui, ça me fait triste de le quitter. Oh, mon petit, pas de sentimentalité. Les affaires sont les affaires. Je vais pas fermer boutique en pleine saison. Tu feras notre voyage de noces tout seul. C'est pas un drame. Non, bien sûr. Tu as ton argent? Hmm? Oui. Ne gaspille pas. T'en as pour 8 jours, pas plus. Alors arrange-toi. Je m'arrangerai. Tiens, je vais t'acheter un journal pour pas que tu t'ennuies. Le voyageur pour Paris, en voiture. Toi, tu vas rater ton train. Grouille-toi donc. Fermez les portes, s'il vous plaît. Et cours pas les filles.
peu la tarte. C'est encore loin, la gare du Nord. Je vais. Vous lui tournez le dos. Là, vous ferez bien monter vous et votre bazar. Mais dites-moi, ça va me coûter cher. Non, je vous ferai un prix. C'est promis. C'est juré. Ah bon. Alors, ça va chercher dans les combien? 7 francs. Mais c'est la même somme. Vous m'avez dit que vous me feriez un prix. Eh bien oui, le prix du compteur. Et les Folies Bergères, c'est loin? Je vais. Bon, eh bien, je vous garde, hein. Je vais déposer ça à la consigne. Et après les Folles Berges. Bien aimable, monsieur, d'être venu. Oh, de rien, madame, de rien, je ne faisais que passer. Mes sincères condoléances. Vous ne connaissiez pas Clodomir? Ah, il s'appelait Clodomir. Mais alors, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je me promenais. Ou plus exactement, j'allais à la gare d'Austerlitz prendre le train. Et vous allez loin comme ça? Au Bouscat, madame. Au Bouscat? Mais c'est là que je suis née. Mes compliments, madame. Et vous y êtes née aussi, jeune homme? Oh, non. Monsieur, on est obligé de s'en aller. Mais il faudrait qu'on s'en aille, monsieur. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas toujours rester ici. Oh, c'est bien vrai, qu'est-ce qu'on attend? Et c'est parce que je suis née au Bouscat que vous avez suivi Clodomir? Clodomir! J'oubliais Clodomir! Ah, le cœur des femmes est bien inconstant. Ah, voilà encore qui veulent la piécette. N'auriez pas de petite monnaie? Oh, pas un rond, madame. Vous êtes mendiant? De profession? Ah non, madame, commerçant. Ah? Et qu'est-ce que vous vendez? Du ruban, des boutons, des chapeaux. Enfin, ce n'est pas moi qui en vends, c'est mon épouse. Qui s'appelle? Madame Bru, puisque je me nomme Bru Valentin. Numéro matricule? Non, non, mais son nom de jeune fille. Mademoiselle Julia. Et vous allez me dire que c'est par hasard que vous avez suivi l'enterrement de Clodomir? Je ne sais pas, madame. En passant, c'est un hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Vous savez qui je suis? Sa mère. Oh, vous êtes la mère de ce pauvre Clodomir. Ah, il comprend rien à rien. Allez, venez. Oh. Oh. Monsieur! Madame! Oh! Un qui va en faire une tête, c'est Paul. Pas Paul le tondu.
Il a été bien aimable avec moi. Il est nommé à Paris. Quand il va savoir que mon pauvre Clodomir est défunt, il va sûrement rappliquer. Parce que lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Les héritages. Et bien, il n'aura pas ma boutique. Ça, non. Elle aurait besoin d'un bon coup de balai, hein. Dites donc, jeune homme. Oh, vous pouvez m'appeler Valentin. Valentin. Je vous donne mon établissement. Vous allez remplacer mon défunt Clodomir. Et vous deviendrez encadreur. Oh ben, c'est gentil, ça. Vous êtes bien bonne, mais Julia. Julia. Eh ben, elle balayera. Maintenant. Ma chère Nanette. Ah, je sais, moi, ce qui vous amène. L'intérêt. Eh bien, monsieur Brenouga, apprenez que mon fonds de commerce appartient à ma fille Julia. Vous êtes déshérité, monsieur Brenouga. Vous êtes très fort, hein? Et notre fille Marinette, vous n'y avez pas songé? Allons, tu nous embêtes. C'est pas pour ça que nous sommes venus. C'est pourquoi, alors? Et Julia, où est-elle? Bonjour, vous. Bonjour, Chantal. Je ferai un procès. Oh, c'est idiot. Ce Valentin est un fripon. Valentin, tu sais pas comment Paul t'appelle? Non. Un fripon. C'est un petit mot d'amitié. Ah ben, ils nous auront pas. Tu mets condoléances. Mes condoléances, madame. Comme c'est triste de perdre sa maman. Nous avons fait une réduction sur le prix de la couronne. Entre voisines. Quand je suis venu à l'enterrement de Clodomir, je ne pensais pas que je reviendrais si peu de temps après. Ils doivent penser qu'on ne voit que moi et les petits oiseaux. Bref, vous avez mené l'affaire rendement. Bon, vous n'allez quand même pas croire qu'on l'a empoisonné, non? Raconte. Oh, il dit qu'on a zigouillé Nanette. Non, moi j'ai jamais dit ça. Oh. On a zigouillé Nanette. Qui est-ce qui l'a soigné? C'est nous. Donc si on l'a soigné, on l'a pas tué, c'est clair. Donc si on l'a tué, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est toi. C'est idiot. Qui est-ce qui a commencé? Oh, ne vous taquinez pas. Venez déjeuner à chez nous. Ah bah c'est ça. Non, on déjeunera chez nous. Ils nous ont drôlement possédés. Ça, il peut le dire. Surtout lui. Et par-dessus le marché, la bonne femme crève quand il n'en a plus besoin. Tu as entendu? Je n'ai pas caché mon opinion à ce sujet. Valentin ferait pas de mal à une mouche. Ah, c'est ça? Voilà que tu prends sa défense. Eh ben, ma petite, tout ce que tu auras de l'héritage de ta mère, c'est le poulet qu'on bouffera tout à l'heure. Et encore, il sera coriace parce qu'on bouffe toujours mal chez Julia. Julia ne garde pas ses bonnes assez longtemps. Elle est d'un jaloux. Vous allez voir la nouvelle. Un monstre. Du Porto. Et du Sandman encore. Avec notre pognon. Oh, ils n'ont aucune pudeur. Je la leur viderai, moi, leur bouteille. Incapable. Il n'en reste plus qu'à travailler. Encore plus durement. On n'a pas des choix.
Vous allez vous coller une hernie? Non, craignez rien, c'est pas avec une bouteille qui se fera du mal. Vous en avez un bas de sac. À la mode tout plein. Comment savez-vous qu'il est à la mode? Je l'ai vu dans Marie-Claire. Vous n'avez pas été chic avec nous. C'est vrai? C'était un détournement d'héritage. On pourrait vous faire un procès. Ça serait marrant. Il y a des tribunaux en France. Je serais obligé de prendre un avocat? J'aimerais mieux me défendre tout seul. Oh, vous vous êtes déjà bien défendu. Qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr qu'on en veut. Peu. On n'aurait pas de misère, dites. Qu'est-ce que vous voulez? Nanette m'avait à la bonne. Et quand elle m'a cédé la boutique... À vil prix! De quoi vous causiez? De la boutique de Nanette. Nanette? Supportez-la qu'il la font revenir. Je ne sais pas. Si ça n'a jamais réussi, c'est peut-être qu'on n'a jamais pleuré assez longtemps. Allez, ça y est, vous pouvez manger. Je commençais à avoir la dent. Allez, viens, ça changera les idées. Oh. Un peu tard dans la saison. Mmh. Avril, à moi en air. Il n'y a pas de bons marchands dans le quartier. Bah, elles viennent de la Bastille, ça fait une trotte. C'est ça, je leur trouve l'air fatigué. Pas du tout. Fraîche comme l'œil. Non, non, je me réserve pour le poulet. Dis-moi, Valentin, est-ce que par hasard tu n'aimerais pas les huîtres? Je n'en mange pas. Et pourquoi? Parce que c'est vivant. Je bouffe pas de bêtes vivantes, moi. Oh, tu vas pas me dire que ces trucs-là, c'est vivant, ça n'a pas d'yeux. C'est à peine vivant. C'est vivant comme vous et moi. Bon, merci. Entre beaux-frères, vous devriez vous tutoyer. Et finir vos huîtres. Tu vois, quand l'acide tombe sur elle, elle se contracte. C'est pourtant vrai. Ah, quelle horreur. Mettez pas de vinaigrette. En tout cas, si vous les bouffez pas, elles crèveront quand même. Alors, autant ne pas les faire languir. Très juste. Allons-y. Alors, on se dit que... Et on s'embrasse. Un baiser, pas sur la bouche. Au revoir. À bientôt, Paul. Pardon. Au revoir. Pas de blague, hein? Quelle blague? Avec Chantal. Quelle blague je pourrais bien faire avec Chantal? C'est pas moi qui vais te donner de mauvaises idées. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je peux pas rouvrir le magasin, ça serait mal vu dans le quartier. Si on faisait tourner une table. Et pourquoi faire? Causer avec Nanette. Bon, alors ça me dit rien. Tu dis qu'on aille au cinéma? Ça peut-être pas décent, un jour de deuil. Oh, on ira voir un film triste. J'irai bien dans un cinéma où on joue de l'orgue. Ça compenserait. Allez, on y va? Ouais.
peut-être un... Madame Berterelle, oui. C'est ça, Madame Berterelle. Elle l'a oublié au cimetière. Bon, ben, on va lui rapporter en passant. On verra qu'on est d'honnêtes gens. Ben, qu'est-ce que tu as? Oh! Tu veux peut-être rester? Oh. Non, non, on va passer chez Madame Berterelle. Ensuite, on ira entendre de l'orgue dans un cinéma. Combien aujourd'hui? 234 francs. Une fameuse journée. Hein? Qu'est-ce qui leur prend aux gens à faire encadrer comme ça? Mais ça n'est encore rien. Tu verras, quand tu auras l'expo. L'expo, tu y crois, toi, à l'expo? Elle n'ouvrira jamais. Madame Berterelle a cassé sa pipe. Dans la rue, et tout d'un coup, pan! Elle a eu une attaque. Elle s'est étalée. Quand on l'a ramassée sur le trottoir, elle était morte. C'est la mort de cette bonne femme qui te met dans cet état? Tu ne peux pas comprendre. Raconte-moi encore. Ben, on enterre après-demain. À Bercy? Non, à Bagneux. Tu te rappelles le foulard? Oui, et alors? Alors, rien. Je vais fermer. Bonjour, Timmy. Alors je me demande en quoi que ça regarde madame.
madame Bijou. Bonjour. Je voudrais une rose. C'est pour mettre sur ma caisse. Comme ça, les gens pensent pas à leur porte-monnaie. Eh ben, moi, mes fleurs, elles m'empêchent pas d'y penser à mon porte-monnaie. Mais craignez rien, je vous la paierai, votre rose, madame Bijou. Oh, mais j'ai pas dit ça par intérêt. Allez, allez, choisissez et je vous en fais cadeau. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Ah, mais il y a pas de quoi. Mais, je prends celle-là. En échange, vous pourriez peut-être me rendre un petit service. Mais comment donc? Oh, qu'il est mignon. Qui est-ce? Feu, mon mari. Le pauvre chou. Vous me l'encadrerez, dites. Mais ce sera pour moi un plaisir. Enfin, je veux dire, un devoir. Au revoir, madame Bijou. Les nouvelles sont bonnes? La guerre en Espagne, la guerre en Éthiopie, l'expo qui n'avance pas. Enfin, ça pourrait être pire. Ce sera pire. Ah, comme je vous comprends, monsieur. Un balai, ça se choisit pas comme ça. Il y a des clients qui me disent, monsieur Balus, donnez-moi un balai pour tous usages. Non, je leur dis non. Ça n'existe pas, un balai pour tous usages. Par exemple, entre le trottoir et la boutique, il y a une sacrée différence. Pour le trottoir, il faut compter avec les crottes de chien. Vous ne pouvez pas choisir quelque chose d'aussi soigneux que pour la boutique. Ça tombe sous le sens, hein. Et encore autre chose, qui est pas mal non plus parce que c'est... Celui-là, il me plaît. Ah, réfléchissez bien, monsieur Bru. N'emballez pas. Allez, tentez-moi ça. C'est de la marchandise de premier choix. Tiens, c'est convenient. C'est une bonne période pour vous, ça, monsieur Bru. Là, pour connaître, la communiante encadrée, c'est ce que je fais de mieux. Je ne vous dérange pas? Assez peu. Un peu tout de même. Venons au fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une équipe de football? Vous ne pourriez pas m'en faire un éventail. Je les ai tous connus. Celui-là a une tête à s'appeler Marcel. Pas du tout! Son petit nom, c'était Milou Milou. Il portait les télégrammes, le pauvre. Un vrai brin d'amour. Ce gamier le me dit, c'est mal de mettre, rien n'est mouche. En ce temps-là, je me nommais Miss Pantruche. J'étais entretenue par un richissime commerçant du Marais. Vous me feriez bien un petit cadre pour ça. Gratis. Elle n'aura pas lieu. Et moi, je vous dis qu'elle aura lieu. Ah non. Ainsi, nous aurons eu le plaisir d'annoncer à nos visiteurs une
Une des plus grandes catastrophes de l'histoire de locomotions aériennes. Quelle catastrophe? Oh. Un dirigeable allemand qui a flambé. L'homme n'est pas fait pour voler. J'ai des ailes, moi. Un dirigeable non plus, ça n'a pas d'ailes. Oui, ce n'est pas fait pour voler. Ah, j'y avais pas pensé. D'aménagement intérieur. Ce sera le cas de... Ah, monsieur Balistre, voilà vos 2,95 francs. Oh, ça me paraissait pas. Ah, mais si. Maintenu par les pouvoirs publics, au centre de l'agglomération parisienne... Et qu'est-ce que vous jouez cette semaine? Un film avec Daniel Darieux. Ah. Alors, vous êtes content de mon valet? Au poil. J'irai sûrement. Elle me plaît, moi, cette Daniel Darieux. Ah, mais si votre dame vous entendait... ...n'aurait jamais pu créer l'équivalent ailleurs. Elle est pas souffrante, au moins. On la voit pas souvent. Les avions. Les avions, quand même. Je me dirais pas que ça vole pas, hein. Et pourtant, ça a des ailes. Bonjour, monsieur Virol. Bonjour. J'ai un service à vous demander. Ah, si ça ne passe pas les cordons de la bourse du ménage bru, je suis votre homme. C'est un secret. Je vous écoute. À ne répéter à personne. Je vous écoute. Pas même à madame Bru. Considérez-moi comme un confesseur. Manifeste un vif désir des nations de se connaître chaque jour plus intimement afin de collaborer. Il me faudrait un cadre mystère. Et quand même, quel bienfait pour le commerce s'il y avait une exposition universelle. Elle n'aura pas lieu. Qui tu as vu cet après-midi? Le neveu Doucet et madame Gache. Une coquine. Ça suffit pas pour que je la reconnaisse. Qu'est-ce que tu as besoin de la reconnaître? Et c'est tout? Oui. Oh, aïe. Et puis, Virol est venu me raconter qu'il avait fait un gosse à sa bonne il y a 16 ans de ça. Comme le temps passe. Le gosse, c'est lui qui l'élève. C'est une gosse d'ailleurs, une fille. C'est lui qui paye pour lui donner de l'instruction et sa femme, elle n'en sait rien. Ça t'intéresse? Pas plus que ça. Et tu connais son nom? À qui? À la petite? Ah non. Ça t'intéresse? Pas plus que ça. Oh, c'est pas difficile à savoir. C'est encore meilleur la blanquette quand c'est réchauffé. Demandez Élysée, l'Action française, directeur politique Léon Daudet, Charles Maurras. Vite le Bilbao. Demandez Élysée, l'Action française, directeur politique Léon Daudet, Charles Maurras. Le populaire. Demandez Élysée, le populaire, directeur politique un juif Léon Blum. Bilbao tiendra. Le populaire. Demandez Élysée, le populaire. Connaissance au mois de décembre au pont de Billancourt de mariniers rouquins comme l'ambre, un vrai brin. Je l'ai pas vu hier. D'amour. Allez, je vous la donne quand même. Votre thune du samedi. Gommier le petit, c'est pas. Mais non, patron, le dimanche, vous savez bien que c'est un du bonnet. Oh, dont j'avais la tête. Ça marche, la limonade. Oui, mais il y a les impôts. Alors, monsieur Soulier, ça ronfle, cette voiture? Et laissez, c'est pour moi, patron. Un véritable obus, je suis obligé de la retenir. Monsieur Soulier est très content de la bagnole qu'il a achetée. Tu vois que c'est utile, les petites annonces? Plus encore que tu ne crois. Bon, moi, je ne crois rien.
pousser la consommation, on dit à tout le monde d'en mettre. Oui, mais si les gens n'ont besoin de rien. Tout le monde a toujours besoin de quelque chose. Ah, monsieur Bru, va falloir que j'aille vous voir. Il est temps que je l'encadre. Ah. Quand vous voudrez, madame Patarin, quand vous voudrez. Je vois ce qu'il lui faut. Un cadre noir avec des larmes en argent. Qu'est-ce qui lui prend à Chantal un dimanche, nous inviter pour le thé, elle est tombée sur la tête. Le thé, ça changera, nous qu'on n'a pas l'habitude. Il doit y avoir anguille sous roche. La boum! Ils veulent peut-être nous emprunter de l'argent. Les fonctionnaires, ça tire toujours le diable par la queue et Chantal, elle doit pousser à la dépense. Qu'est-ce qu'on fera s'ils veulent nous taper? Oh, c'est facile. Les impôts, les échéances. Enfin bref, on n'a pas un radis devant nous. Il y a aussi le gaz à payer. Mêle pas tout. Les impôts, les échéances, ça suffit. Ah. T'as bien compris. Et qu'est-ce qu'on a comme impôt cette année? C'est encore pire que l'année dernière. Où allons-nous? Très bien. Les lois sociales, c'est bien joli. Il y en a qui en profitent, mais c'est les commerçants qui payent. Et qu'est-ce pas mettre dedans par ton béguin? Quel béguin? Tiens, voilà du nouveau. Ça fait longtemps que vous êtes ici, ma fille? 8 jours. Ils sont tombés sur la tête. Si vous voulez vous défaire. Vous vous en chargez? Si vous voulez bien me suivre. Non, je sais, je suis venue ici avant toi. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette roulure qui est chargée de nous ouvrir la porte? Ma femme de chambre. Ouais, bah, tu vas voir ce que ça va te coûter. Ta femme de ménage te suffisait pas? Bah, je l'ai gardée aussi. Oh, les salauds, ils ont gagné à la loterie. Non, c'est vrai. Mais non. Vous avez prévenu, monsieur, que nos invités sont là. On n'est pas des invités, on est de la famille. Oui, madame. Bon, alors, Catherine. Catherine. Vous pouvez apporter le thé, les petits fours. Et du porto pour les messieurs, s'ils le préfèrent. Le Sandman? 1878, oui. Bien, allez. Madame. Alors, Valentin, et les affaires? Bonjour, bonjour, chère sœur. Bonjour, Valentin. Passez-moi les petits fours, ma fille. Thé ou porto? Du thé, je n'en bois jamais. Vous avez tort de ne pas goûter mon porto? Du Sandman, 1878. On le sait. Alors, Valentin, comment vont les affaires? Oh, ça boum. Hier, j'ai fait 251 francs plus une pièce fausse de 5 francs. Justement, je me demandais si ça vous intéressait pas de la voir. Mon cher, la monnaie était la seule partie du système métrique qui n'était pas de mon ressort. Je dois ajouter que maintenant, c'est moi qui ne suis plus du ressort des poids et mesures. On t'a foutu à la porte? Non, j'ai démissionné. Valentin, la cigare? Non, merci, je ne fume pas. Voyou! Il ne boit pas, il ne fume pas. Mais vous ne vivez pas, mon cher. Alors, t'abandonnes l'administration pour l'industrie? Comment sais-tu ça? Tu viens de le dire. Je n'ai jamais dit ça. Mettons que j'ai deviné. Eh bien, tu as deviné juste. Je deviens sous-directeur. Seulement? D'une usine d'armes. C'est vrai. Eh bien, avec la guerre qui vient, vous allez faire de bonnes affaires. Hein? Oh, mais dis donc pas de bêtises. En attendant, je vous invite à dîner à l'expo. Moi aussi? Non, Marinette, tu as tes devoirs à terminer. Alors, c'est pas encore cette fois-ci qu'on verra? Non. On ira au pavillon allemand. Mais c'est le plus cher, c'était marqué sur le journal. Qu'est-ce que vous allez prendre comme coup de fusil? Très drôle. On accepte. J'ai envie de voir ça de près, des gens qui gaspillent leurs sous. On prend la voiture. Comment, vous avez une automobile? Oui, nous avons acheté une traction, mais nous allons la changer contre une Lagonda. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est spécial, c'est une anglaise. Je fais réviser le moteur. Nous prendrons un taxi. Catherine! Oui, comment ça se dégonfler. Galère!
Arthur. Tu penses bien que j'allais pas voir l'exposition sans venir te dire bonjour. Oh, bah ça, c'est chic, alors. Coquet, ici, hein. Je balais tous les jours. Ah, t'as toutes les qualités du parfait soldat de deuxième classe. Elles me resserviront bientôt. Ah. Et pourquoi ça? Bah, pour la prochaine. Oh, tu connais rien, les guerres, c'est plus possible de nos jours, crois-moi. Et c'est quelqu'un qui en connaît un bout sur la question qui te le dit. T'as vu ça? Adjudant? Ouais. Ben, moi, j'aurais jamais pu grimper jusque-là. Hein. Ben, ça, c'est vrai. Et t'es tout seul dans cette cambuse? Plus ou moins. Et... Oui. Madame Bru. Ah. Oh, regarde-moi celui-là! Victoire! Ça ne vous ferait rien de remonter pour mettre un couvert de plus et pour ouvrir une boîte de petits pois? Le saucisson, je le couperai moi-même. Saucissi, saucissi, sifflard, sifflard. Ça, c'est bien vrai. C'est ça, à demain, hein? À demain, au revoir. Ah non! Oh bah accepte, tu lui ferais de la peine. Ça, au revoir. En ton honneur, je fermerai une demi-heure plus tôt. Tiens, repasse donc vers 6 heures. Qu'est-ce que je vais foutre jusque-là? Bah, tu peux visiter le musée des colonies. Vu de Paris, les colonies, ça n'a pas la même gueule. Je vous ai fait un cadre. Tout ce qu'il y a de plus mystère, vous m'en direz des nouvelles. Chut, chut. Que tout ça reste entre nous, hein. Vous comptez sur moi. Et en fait, vous avez des nouvelles de la petite? Elle va passer son certificat d'études. Où ça? Madagascar. Formidable, cette Mme Saphir, formidable. Tout mon passé qu'elle m'a dit, tout mon présent, tout mon avenir. L'avenir? Pour l'avenir, vous pouvez pas savoir. Elle a deviné que j'étais allé à Madagascar. Comment expliquez-vous ça, hein? Mais ça, vos décorations, c'est pas un ruban malgache, ça? Mais alors, et comment qu'elle a deviné que j'allais voir l'expo? Oh, tout le monde y va, là. Pas moi, pas moi. Ah, oh, c'est drôle, tout ça. Elle m'a dit aussi, vous avez un ami qui s'appelle Valentin, et vous dînerez chez lui, et vous mangerez des petits pois cassés en conserve. C'est vrai. Vous voyez? Allez, une tournée! Non, non, merci, on a besoin de moi à la boutique. Oui, moi et tout. Mais tout ça, c'est bien. Une autre tournée! Allez, ça fera marcher le commerce! Si vous ne l'emmenez pas faire un tour, il arrivera chez vous complètement chargé. Ouais, personne à la caisse. Peut-il avoir un paquet bleu? Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Et l'avenir, qu'est-ce qu'elle t'en a dit, Madame Saphir? J'aurai ma retraite comme capitaine! Capitaine à trois galons! Oh, ça présage rien de bon, ça. Allez, au revoir. Les lâcheurs! Et ma tournée! Alors, écoute, on viendra tout à l'heure, je vais te montrer le quartier. Madagascar! Ah ah, sacré Valentin! Alors, raconte-moi, le mariage, le commerce, tout ça, ça boum! Et ta moitié, raconte-moi! T'es content du conjugo? Ça va. Ça te rappelle pas Bordeaux, hein? Et alors, comme ça, qu'est-ce qu'il y a à voir à l'expo? Le pavillon russe est bien majestueux. Il y a une automobile de leur fabrication. Penses-tu? Je t'assure. Tu ne deviendrais pas communiste? Ben, tu verras, une vraie automobile. Tu l'as vu marcher? Ah non. Alors tu vois, c'est du chiquet. Rien que de la tôle. J'irai pas voir ça. Et puis on est allé dîner au pavillon allemand. T'es allé dîner chez les Bosch? Reich! Ein Führer!
de Guernesse. En fin de compte, qu'est-ce que t'as pu manger de si bon? Une choucroute? Crie pas si fort, oui, une choucroute. Moi, jamais j'aurais pris de leur cochonnaille. J'en boufferai jamais tant qu'ils n'auront pas rendu l'Alsace-Lorraine. Est-ce qu'on leur a pas repris en 1918? C'est vrai, j'oubliais, mais ils veulent nous la reprendre. Ah, et tu prétends qu'il n'y aura pas la guerre? Ah, t'as encore rien compris, hein? Les Alsaciens parlent allemand, oui. Nous on garde les Lorrains. Ça s'arrangera pacifiquement. Hitler, là. Et après? Après, on s'est perdu. Qui ça? Bah moi, ma femme et Paul. On prend pas. Enfin, je suis resté seul avec ma belle-sœur Chantal. Ah, ah, ça devient intéressant. Encore plus intéressant que tu ne crois. Raconte donc. Bah, comme on avait mal au nougat à force de circuler, on a cherché un truc où on puisse s'asseoir. Et on a découvert la gondole magique. On s'assoit dedans et ça marche tout seul. Et alors, et alors? Elle a un rouge à lèvres qui a drôlement bon goût, ma belle-sœur Chantal. Et après, entre elle et toi, est-ce que... Ah non, je l'ai plus revue. Elle est partie pour Châtellerault où mon beau-frère Paul a trouvé une situation. Tout ce qu'il y a de plus reluisante, il fabrique des crosses de fusil. Ah, c'est un patriote. Dis donc, t'as remarqué le bistrot près de chez moi? Ça s'appelle le Café des Amis. Ah oui, comme là-bas, il y a... Tiens, il y a justement Didine. Tu te souviens de Didine? Oh, bien sûr. Elle cherche à se placer à Paris. T'as pas quelque chose pour elle? Ah bon? Oh, 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 ben alors, ma bourgeoise voudrait même pas en entendre parler. Elle est d'un jaloux. Alors, et qu'est-ce qu'elle a dit pour sa belle-sœur? Il n'y avait rien à dire. Et puis elle a rien deviné. Sacré Valentin. Et après? Et après? Tu n'as pas remarqué que l'année dernière, on n'avait pas pris de vacances? J'en prends jamais. Moi non plus. Tu pourrais en prendre tout seul. Je me disais que... Tu veux retourner à Bruges? Je préférerais ailleurs. Ça. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a Kiena qui m'intéresse. Kiena? Oui, il n'y a Kiena en Allemagne. Tu n'y arriveras jamais. Il y a des voyages organisés. Bonjour, madame Birol. Où courez-vous donc comme ça? Je vais rue Tain. Vous ne devineriez pas où. Chez madame sa fille. Je me dépêche. Paraît qu'on fait la queue. Si ça vous fait plaisir, madame Birol, si ça vous fait plaisir. Et tu sors? Mm-hmm. Et ton deuil, tu vas le porter longtemps? Bah oui, je vais au cimetière. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur Bru! Madame Birol? Je vous raconterai. Passé, présent, avenir, les deux, les trois, les quatre, passé proche, passé lointain, avenir proche, tarif 1, tarif 2, tarif 3, concentrez-vous, relaxez-vous. Pour les questions difficiles, faites un sacrifice, on n'a rien sans rien. Pour le passé vrai, l'avenir vrai, le présent vrai, tarif double, mais vous ne regardez pas de telles dépenses. Alors... Le présent. Pour moi, ce sera le présent. Le présent, c'est moins que rien. C'est vous qui le dites. Allons, ma bonne. Il y a un trou dans le budget. Uh-huh. Virol, c'est mon mari, écrémier. Il vend aussi des primeurs. Alors, vous comprenez, ça devrait faire un budget équilibré. On devrait être à l'aise. Eh bien, non. Il y a un trou dans le budget. Très grave, toutes les histoires d'argent, très grave. Il y aura un petit supplément. Qu'est-ce que je vois là?
Qu'est-ce que je vois là? Une enfant, une jeune fille. Son papa se trouve là à côté d'elle. Il est crémier, il a la gueule de travers. Mirole! C'est le papa de la fifille à sa mémère. Et la mémère, c'était la bobonne du papa sur un air de biniou. Ah, la boniche bretonne, je la reconnais. D'où Jésus, il lui avait fait un gosse. Du sexe féminin. Je veux tout savoir, je veux tout savoir. Il y aura un petit supplément. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la vérité? Cigarette. Cuterie. Cuterie. Ah, je vois, charcuterie. Oh, et Verterel ne t'a pas vu? Ah, tu es un malin. Monsieur Bru, comment ça va, monsieur Bru? Ça va, monsieur Bru? Ça va, ça va? Ça va, monsieur Bru? Je n'arrive toujours pas à fixer la grande aiguille plus de 4 minutes. Ouais, au bout de ce temps-là, ou bien c'est comme si je m'endormais, et le temps passe en échappant à mon contrôle. Ou bien je suis envahi par des images. Et le temps a coulé sans que je l'ai senti fondre entre mes doigts. Je surveille le temps, et parfois je le tue. Mais c'est pas ce que je voudrais. Ce sont surtout les images qui gênent. Ils reviennent partout. Ouais. De pays où je suis jamais allé, et de pays qui n'existent même pas. En voiture! En voiture! Il faudrait leur mettre un bouchon à ces sales bêtes. Vous leur attachez un petit panier sous la queue. Oh là là. C'est bien vous le dénommé Bru Valentin? Soi-même? Vous allez me signer là. C'est votre nouveau fascicule de mobilisation. Alors cette fois, ça y est? Ça y est quoi? La guerre. Dites donc, vous, je ne suis pas venu pour discuter politique avec vous. Et puis, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous partez que le troisième jour. Et pour Nantes encore. Il y en a, et des plus vieux que vous, qui partent pour la ligne Maginot. Et le premier jour encore. C'est peut-être parce que j'ai fait campagne à Madagascar. Ça, je m'en fous. Mais il faut que vous me rendiez l'autre.
Ne craignez rien, j'ai pas envie de mobiliser deux fois. Oh, ça vous fait rien de me garder la boutique? J'habite au-dessus. Dépêchez-vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme cadre dans la gendarmerie. Ça, c'était une plaisanterie, mais je la comprends pas. Alors, dépêchez. J'y cours. Là. Merci. Il n'est venu personne? Personne. Vous avez un nouveau fascicule, vous aussi? Ça, ça veut rien dire. Bien sûr. Seulement, ça donne du travail aux gendarmes. C'est pas moi qui les plaindrai. Vous êtes bien le premier Français à faire une tête pareille en buvant un Pernod. C'est à cause de tous les trucs que j'ai drapés aux colonies. Alors, fallait prendre autre chose. C'est pour voir si ça me fait toujours le même effet. Je vous la renseigne. Eh oui. Et les affaires, ça va pas fort, hein. Je me demande comment on s'en tire. Bon, on va quand même. Pas vous? Bon, moi, vous savez, la bouffe, ça marche toujours. Quand les affaires sont prospères, on bouffe parce qu'on est content. Et quand ça marche plus, on bouffe pour se consoler. Et quand ça va plus du tout, on fait des provisions. Alors, moi, je suis paré. Et un paire de poings, Arthur! Un Arthur qui lève sec! La vache! Qui ça? Aïe, Madame Saphir! Ah. Je dirais bien deux mots à celle-là. Qu'est-ce qu'elle vous... Qu'il avait un enfant illégitime. Une fille. Voyez-vous ça, ce Virol. Capable d'une chose pareille. Jamais j'aurais cru. Alors ça fait du pétard au casino, elle est pas contente, Madame Virol. Mets-toi à sa place. Et Virol non plus. Depuis que cette Madame Saphir s'est installée dans le quartier, toutes les bonnes femmes vont la consulter. Tu y es pas allée, toi? Je suis pas une bonne femme. Oh. Et que c'est que ça? Tu ne me tournes même pas quand je me mette là-dedans? On va aller au foot des cailloux. Un engin pareil. Tu vas nous exhiber comme ça longtemps? Je serai pas le toquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Un restaurant des plus chics au bois. No, Evan, come along. Ça va être un peu chéro. Oh, laisse donc, c'est lui qui invite. Bien sûr. Et alors, ton voyage en Allemagne, ça s'est bien passé? 8 jours en quart. Les autres voyageurs avaient tous des barbiches et certains leurs femmes, des officiers en retraite. Ah, et vous êtes allé à Berchtesgaden? Non, mais à Iéna, j'ai vu le champ de bataille où Napoléon a détruit l'armée prussienne. Il faut reconnaître que Napoléon, c'était quelqu'un. Il s'est donné bien du mal pour finir dans une petite île. Et après, le lendemain, à Weimar, on a visité la maison de Goethe. Ah, Goethe! Qui c'était? Tu me l'as dit, mais à chaque fois j'oublie. Un copain, Napoléon, un collectionneur. Je connais, je connais. Voulez-vous un petit quelque chose en attendant Chantal? L'apéro? Je veux. Madame prendra. Un cocktail. Drey, Manhattan, Rose, Alexandra. Alexandra. Il croyait mes pâtés. 3 Alexandra. Non, pas pour moi.
Tu vas pas prendre un Vigifred? Non, mais je préférais un truc sans alcool. Un jus de fruits pour monsieur. Grand cheveux. Et pamplemousse? Bon, j'hésite. Pamplemousse. Un pamplemousse. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Caviar. Bravo. Canard à l'orange. T'as l'air bien pressé de commander. T'as peur qu'on choisisse des trucs trop chers? Avec le caviar, je me permettrai de conseiller à monsieur. Oh, il se permet de conseiller, on dirait qu'il parle au roi de Siam. Notre vodka importé directement du RSS. Et il est communiste en plus. Oh, madame. Dans des demi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Votre Alexandra, madame. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas boire quand on va dans le grand monde? Bonjour, ma chérie. Eh ben, tu sais, tu dégotes. Ça, mon cher beau-frère. C'est la robe que tu mets spécialement les jours où tu manges le caviar. Pour moi, ce sera un œuf à la coque, 45 secondes comme je les aime. Une tranche de jambon avec une salade, sans huile, sans vinaigre et sans sel. Sans huile, sans vinaigre, sans sel. Alors, tu mets rien que du poivre et de la moutarde, alors? Rien, rien que de la salade. Tu broutes, alors? Oh, qu'elle est drôle. Et ce voyage en Allemagne? Oh, j'ai vu des champs de bataille. Oh, comme c'est démodé, ça, les champs de bataille. Ça fait vieillot. Une chose à oublier. Oh, mais il y en a d'autres qui se préparent. Mais non, mais non. Je connais bien la question. Une guerre est impossible. Beau. Allons, mes petits agneaux, cherchez pas à deviner l'avenir. Voilà le présent qui s'amène. Tu n'as pas l'air convaincu, Valentin. Il y aura la guerre. Il y aura pas. Ouais. Si on avait eu, on serait battu. Nous parlions d'un film. Ce qui m'épate, c'est que les gens ne se lassent pas de raconter leurs petites histoires. Ainsi moi, j'ai pas besoin de deviner comme Madame Saphir. Je n'ai qu'à les écouter parler, ils me racontent tout. C'est quand même un monde, ce Jean sans tête. C'est le seul du quartier qu'on ait rappelé au moment de Munich. Ça va pas fort en ce moment. Peut-être qu'à la Noël, ça ira mieux. Avec l'histoire qui passe, les gens ne font plus encadrer. Une cliente hier, pas un chat aujourd'hui. Et nos bons voisins? Un crampon ne se gêne plus. Les fillettes, ça le fait saliver. Ça finira mal. T'en fais pas, ça recommencera bientôt. Ça t'a plu, hein? T'es pas prêt d'oublier. Oh, pour sûr, ce sera pas gay. En attendant, moi, je tue le temps. Arrête. Arrête et assieds-toi. Est-ce que tu vas te taire, non? Garde-vous! Repos. C'est vous le soldat brut, brûlé Valentin? Je le jure. Voici votre nouveau fascicule de mobilisation. Ah, vous êtes bien aimable. Le quatrième jour de la mobilisation au 10e dépôt colonial à Nantes. Et pourquoi pas le 10e jour au 4e dépôt? Ah, ça. Boum, 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 boum. Vous êtes bien aimable. Il me faut me rendre votre autre livret. Ah bon? Boum, boum. Boum, 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 boum. Je vais le chercher. Je vous confie la boutique et monsieur. Ben. Monsieur a fait Munich. Excusez. Vite un médecin! Ma femme est évanouie, je cours chercher le médecin! Ma femme est évanouie, je cours chercher le médecin! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Regardez-vous, regardez-vous, regardez-vous!
Dictus restera probablement paralysé. Quant à votre souillon, c'est une épilo pour trouver quelqu'un d'autre pour soigner votre sœur. C'est 20 francs, mon ami. Je ne dis rien, je reviendrai. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le livret. Le livret. Ah. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Merci. Sale histoire. T'es embêté, hein, mon pauvre chou. Ça ne sera rien. Qu'est-ce qu'il te faut? Je suis drôlement sonné. Je te dis que ça ne sera rien. Oh, et l'autre idiote qui s'offre le haut mal. Mais je vais prendre quelqu'un d'autre en plus pour te soigner. Et avec quoi la paieras-tu? Ce sera dur. Pauvre chou. C'est drôle. En ce moment même, il m'arrive un drôle de truc. Des trucs comme ça, tout le monde en a pas. Mais faut pas que ça t'impressionne. Chahut tout à l'heure. Les flics. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est Virol qui sont venus chercher, il a tué sa femme. Pourquoi? Elle l'emmerdait. Pourquoi? Depuis que Madame Saphir lui avait dit que son mari, Virol, avait une fille illégitime. Voilà ce que c'est de ne pas conserver un secret. Et oui, voilà ce que c'est. Toi, tu sais conserver un secret? Moi? Ou plusieurs, même. Alors, Madame Saphir va pouvoir reprendre ses activités. Tiens, essaye ça. Que désirez-vous savoir? Si vous êtes voyante, vous devriez savoir ce que je désire savoir. Vous désirez connaître l'avenir? Ça alors? Vous m'en fortiche? Oui. Je voudrais savoir s'il y aura la guerre. Rassurez-vous, madame, il n'y aura pas la guerre. Ça alors? Moi que j'espérais. Et pourquoi? Mais parce que ça leur fera les pieds à tous ces salauds. Une bonne guerre et qu'on en tue le plus possible. Les commerçants, les proprios, les flics, les fonctionnaires, les vedettes de cinéma, les curés, les cyclistes, qu'ils sautent tous et qu'il n'en reste plus que des petits morceaux. De la poussière. Une bonne bombe et que tout soit détruit. Alors, vous croyez vraiment qu'il n'y aura pas la guerre? Il ne suffit pas de croire, mais de savoir. Évidemment. C'est tout ce que vous désirez savoir? Oui, madame. Eh bien, je vais vous apprendre autre chose. Demain samedi, vous aurez une déception financière. Ça, alors? Oui. Vous n'encaisserez pas la somme d'argent sur laquelle vous comptez. D'un commerçant? Voilà. Je ne vois pas pour quelle raison M. Brune ne me donnerait pas ma thune habituelle. C'est pourtant comme ça. Ça, alors? Allons, ma brave dame, je n'ai pas que de mauvaises nouvelles pour vous.
J'en ai une bonne en réserve. Laquelle? Pour vous, exceptionnellement, ma consultation est gratuite. Il n'y a jamais eu de clients qui t'ont fait du plat? Oh, penses-tu? Nous les impressionnons de trop. Sauf les flics. Il en vient souvent? Deux fois. N'oublie pas, hein, cache toujours tes mains. Les mains d'homme, ça se reconnaît tout de suite. C'est 20 balles. Et alors? Un de vos collègues vous veut du mal. Comment qu'il est? C'est un brun moustachu, avec un pébroc, un chapeau melon et des gros godillots. Et une cicatrice sur la joue gauche. Sur la joue droite. C'est lui! Il va vous couper l'herbe sous le pied. C'est lui qui aura l'avancement. Le sagouin! Il va vous gratter dans une affaire dont vous vous occupez tous les deux. Minute! L'inspecteur Tortoni va pas se laisser faire comme ça. Je vais lui montrer, moi, comment je me nomme. Tortoni? Qu'est-ce que vous avez dit? Tortoni. Vous vous appelez Tortoni. Vous savez mon nom? Je sais bien des choses. Oh, bonjour, ma chère. Tu m'as fait peur avec ta lettre. J'ai cru qu'elle était foutue. N'empêche que je peux plus marcher. Ça reviendra. C'est ce que je lui dis tous les jours. Et le mari? Il a un travail fou avec le réarmement. Il prétend que dans l'armée française, il y aura bientôt deux fusils par soldat. Voyons, le fric, ça doit rentrer, hein? On se plaint pas. Mais vous, ça va vous faire des frais, cette maladie. La boutique qui est fermée. J'ai trouvé une situation ailleurs, pardon. Non. Hé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tiens, ça, c'est une bonne. Je suis balayeur chez une cartomancienne. Tu laisses choisir une bonne? Je te reconnais plus. Oh, j'en ai pris un bon coup. Mais non, c'est rien. Tu devrais venir chez nous. Il y a un grand jardin autour de la maison. C'était la couronne des commerçants du quartier pour Madame Birol. Et tu serais bien soignée. Mais mon petit mari me soigne très bien. Je te dis pas le contraire. Merci. Ça, c'est la bonne. Allez, laisse-toi faire. Je t'emmène. J'ai la voiture en bas. Je peux tout de même faire ça pour toi maintenant que nous sommes riches. Tu veux m'humilier? T'es bête. C'était le gaz. Je viens de le payer. Alors, tu sais payer le gaz maintenant? Mais qu'est-ce que tu crois? Il sait se débrouiller. Ah, ça, c'est sûrement la bonne. Alors, c'est oui? Oh, je dis pas non. Mais c'est mon Valentin qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tel que je le connais, il couchera même pas avec la bonne. Tu le connais si bien. Je viens d'engager une bonne. Saphir n'a pas à se plaindre. La clientèle augmente chaque jour et sa renommée ne fait que grandir. Saphir se trompe parfois, mais les clients sont pleins de bonne volonté. Merci. Ils oublient les échecs et ne retiennent que les réussites. L'inspecteur Tortoni est le plus obstiné de ses admirateurs. Ça fait 4 fois de suite que Madame Saphir lui indique un tocard au PMU et ça ne l'empêche pas de revenir. Birol a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Tout le monde dans le quartier a trouvé que c'était cher. Ça va? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Le dimanche, je vais au cinéma. Crampon t'envoie ses salutations distinguées en attendant de se faire coffrer pour détournement de mineurs. Mais ça, il ne s'en doute pas. Comme tu me l'as recommandé, Madame Saphir rassure les gens en leur disant qu'il n'y aura pas la guerre. C'est malheureux parce que pour une fois, elle pourrait leur dire la vérité. Parce que pour moi, ça fait plus un pli. Le reste, c'est des mots gentils. Ben, tu vois, ils se débrouillent pas mal. Ça y est, mes enfants, c'est la guerre. Valentin l'avait toujours dit. Et toi qui le croyais pas,
Valentin avait raison. Tout le monde n'est pas des imbéciles. T'as bien fermé le gaz derrière toi? Pas la peine, la bonne est restée. Comment, tu l'as gardée? Oui. Oh, c'est une brave fille. Je l'ai connue au Bousca. Didine qu'elle s'appelle. Et les pilotes, tu l'as aussi gardé? Ah non. Celle-là, c'est Madame Saphir qui l'a engagée. Tu comprends, une crise, ça aurait impressionné le client. De domestique? Et tu te mets bien quand je ne suis pas là. Oh, mais ça m'a pas empêché de mettre de l'argent à gauche. Ah, j'osais pas te le dire, je croyais que t'avais pris de l'estomac. Tiens, tu m'enverras des mandats? T'as bien travaillé. Tu sais que Madame Saphir avait une belle clientèle. Et Madame Saphir retrouvera sa belle clientèle après la guerre. Qu'est-ce que tu as? Oui, tu as raison, elle retrouvera sa belle clientèle. Et tu seras tout à fait guérie. On se partagera le travail. Un jour toi, un jour moi. Oui, c'est ça. Un jour toi, un jour moi. Ben oui, après la guerre. Suffit de la laisser passer. Comme tu dis. Dis-moi, tu vas rater ton train. Oui, il serait bien capable de me fusiller. Au revoir, Julia. Maintenant que la guerre est là, autant s'en débarrasser, pas vrai? Adieu, Valentin. Au revoir.